Challenge! Fais bon, mettez-lui d'abord. Tous les jours, la paix, il fait la place. Il fait malade. Tu sors d'où? Je suis chassé de chez nous, gars. Ça j'ai sauvé ta mère. Mais t'as quel âge? 22 ans. 20 quoi? 22 ans. 20 quoi? 22 ans. Mouf! Mon soeur, l'idiot, mouf! Message. Baptisez-lui au nom des enfants de la rue. Mon ami, date, hein? M'en fume! Et du gars, hein? Tu nous sois! C'est très beau. Mais tout le monde veut caler dans sa position. Casse n'a pas clément. Alors si j'avais lu, oui, tant pis mon pied. T'es malade. Allez, non. Oh, pousse-toi de là. Pousse-toi déchet. Pousse-toi là-bas. Tu tentes tes gorges, t'es mal. Tente même pas ta maman là. Ma chérie, on m'a appelé pour la stress. Hein. Il y a un camarade qui est malade, tu dois travailler toute la nuit. Ah, et avec qui vais-je passer la nuit? Non, fais des efforts, c'est une seule nuit. Fais des efforts, fais des efforts. D'accord, je vais essayer. Demain matin. Ok, bye. Ouais, je te retrouve très tôt. Bye bye. Ouais, merci. Demain, hein? Bonne nuit. Allô? Oui, bébé. Je préfère qu'on le remette à plus tard. Ok. Chantal, c'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar cette nuit qui semble avoir des répercussions sur... tu me racontes là est très horrible. C'est même infernal. Tu ne devais même pas être ici en ce moment. Ce n'est pas à négliger, Chantal. Et que veux-tu que je fasse alors? Écoute-moi. Écoute-moi, ma chérie. Cette histoire peut te faire perdre la vie. Et c'est de ton futur bébé que tu attends. Il faudrait que nous rendions chez Mbakop. Dans ce cas-là, ça va attendre. Moi maintenant, j'ai besoin de repos. D'accord, lève-toi, je t'accompagne dedans. Moi, je vais rentrer et ce que je faisais derrière. On y va là-bas. Lève-toi. Tu vas. Mais Joël, c'est à moi à te demander cela. Je vais mieux. Mais Joël, comment ça tu vas mieux? Amos, ici je n'ai pas de pression. Il n'y a pas de vampirisme. On ne mange pas les gens dans la nuit. Joël, oublie cela. Tout ça que tu passais. Un passé indélébile. Un passé tragique. Écoute, grand frère. Écoute. J'ai honte. J'ai vraiment honte de te voir souffrir de la sorte. Regarde, ce boulot ne te mérite pas. Amos. Je le sais, tu es mon gardien. Nous avons fait beaucoup de choses, toi et moi. Mais nul ne peut s'opposer à son destin. De nos jours, je réside dans les maisons ou voitures abandonnées. Mais certes, je me sens mieux que d'être dans un château d'enfer. Joël. Tu me donnes vraiment du chagrin. Ne te gêne pas pour moi. Prends du temps et réfléchis. Tu verras plus tard que j'avais raison. Si tu as besoin de moi, cherche-moi ici. Ou alors ailleurs. Mais sache que je réside dans la rue. Joël, à nous revoir. À nous revoir, Amos. Au glacé. Joël. Amour. On n'écoute que 50 fois. Mais Joël, comment ça, toi mon frère, tu peux vendre de l'eau? Amos, c'est tout pour moi ici. C'est grâce à ça que je trouve mon père. Excuse-moi, petit frère. Joël. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Maman, oui. Je voudrais que nous causions. À propos de quoi? Au sujet de Joël. D'où te vient cette inspiration? Tu te rends compte? Quand je me baladais dans la rue, j'ai rencontré Joël pendant de l'eau. Mais c'est ce qu'il a voulu. Maman, je ne mérite pas la rue. Nous ne devons pas l'obliger à être un malfaiteur. Arrête de me parler de cet imposteur. Si ça ne te plaît pas, va le rejoindre dans la rue. Non, maman. Là, y a-t-il un problème? Laisse-moi ton serment, c'est ta mère que nous voulons ici. Mais qu'est-ce qu'il y avait les bruits ici? Alors, tu demandes sa mère pourquoi? Tu veux devenir son père? Devenir le père d'un sorcier? Madame la sorcière, nous sommes venus t'avertir que si ma copine perd son enfant, tu t'en sortiras pas. Pourquoi l'en veux-tu? Sortez de chez moi. Où est ton mari? Tu l'as mangé. Les enfants de tes soeurs, tu as mangé. Tu prends quoi aux gens sorcières? Vous avez fini. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Mettez-vous dehors. Tu as les preuves de ce que tu avances. Hein? Alors, tu as les preuves. Laissez passer de chez moi. Allez, allez. Dégagez. Les cafards. Dégagez, dégagez. La vérité. Dégagez. Fichez au camp de chez moi. Regardez-moi ça. Attendez, attendez. Il y a que quoi, non? Pas droit d'avoisie. L'information nous tient. Encore la messie. Yay! Yay! Encore toi? Yay! Moi, de bruit chez moi, tu es là. Tu m'as un jour vu chez toi. Attends! Regarde-moi ça. Maigrichon. Ça va se savoir un jour. Dégage! Ça va se savoir un jour. Ça va se savoir un jour. Tu as ta chance. Tu as ta chance, une petite chance comme ça. Si tu n'étais pas aussi maigrichon que tu es là. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas souvent couché à cette heure. J'ai passé une mauvaise nuit. Donne-moi la main, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. J'ai vu Mbakop. Qui? Qui a fait son entrée dans ma chambre. J'ai encore mal depuis qu'elle ne m'a servi. On va voir ça. Ta mère? Elle n'est pas là. Où est ta mère? Elle n'est pas là, il y a quoi? Si on rêve encore chez moi, une fois de vous, je viendrai si vous découpez en rondelles. veux qu'il s'approche de moi comme ça.